La première chaîne que je regarde, et je le dis sans flagornerie, c'est LCI, simplement parce que c'est le flux de la vie, et en plus, c'est devenu gratuit. Plus il y aura de chaînes d'infos, plus ça sera bien, parce que pour se construire une opinion, il faut des sources multiples. Je préfère même LCI à ma famille. Oui, c'est-à-dire que souvent je rentre vrai, et les enfants veulent jouer avec moi, je dis non, papa, regarde LCI. C'est vrai. Moi, j'ai pas été à l'anniversaire de mes enfants et j'ai été à celui de LCI. Oui. Tout ça, c'est cette nuit. Oh là là, mais tu dors habillée? Bah oui, je dors habillée. Je te montre mes fesses. Vas-y. Bouge pas. J'aimerais vraiment pas être à la place de Nico parce que voilà, ton ex elle arrive à la maison, elle a le boule qui chamboule la vue. Moi je m'en fous, j'ai du poil au cul, ça me tient chaud l'hiver. L'été, je me l'ai fait couper pour mieux respirer. Tiens Marie, voilà 100 sous, pompe-moi le nœud, rends-moi 3 francs. Non monsieur, super ton peur de pomper un si grand nœud. Pour le barbichon, mon cul sur la commode, pour le barbichon, mon cul sur les roustons. Tripote-moi la bite avec les doigts, à la belle bibite. Fox Sinclair, Fox Sinclair. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce petit débrief. 4 possibilités de réponse. 225 kilocalories, 745 kilocalories. Et pourquoi ça tombe sur nous, c'est évident. Attends, sur moi alors. 965 kilocalories, 1615 kilocalories. Merci pour le mec qui a fait la question. Oui, hein. Alors, on le remercie énormément. Vraiment, il y a un tact. Voilà. Comme ça, hein, comme vraiment, ça, le gars. Hein. Comme vraiment, ça. Vraiment. À propos de gagner sa vie, d'ailleurs, vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable du service des sports au conseil départemental de la Somme. C'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit, vous voyez, j'aurais pas dit, tiens, lui, à mon avis, quel sport, quel sport, il faut pas se fier, absolument. Pourquoi pas une abdominoplastie, pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est de se faire poser des abdominaux, parce que je trouve ça mais juste génial. Ah, pour avoir des plaquettes. Il y a une demi, je pesais 90 kilos. Oui. Maintenant, j'en fais 78. Voilà, j'avais un ventre comme ça, j'aurais pu me faire opérer, j'aurais pu régime et sport. Je trouve ça hyper bien, malheureusement, moi j'ai pas la motivation de faire du sport. Et pourquoi pas, en juste une avoir opération. Avoir des abdos en étant une grosse feignasse. Voilà, et bien exactement. Fred m'a proposé... La Corse. Très bien, donc un département de nouveau. Alors, les départements de la Corse parce que... Attention à ce que tu vas dire. Font les, c'est des feignants, les Corses, hein, qui font les roupillons. Je suis d'origine corse aussi, donc on aime bien. Donc il n'y a pas de problème. Billy, tell us about those features. So, we have an ambidextrous safety. You have backstrap checkering. You have a memory bump on the grip safety. Get on the phone. Give us a call. 844 My Gun TV. I can't promise you that there's going to be another opportunity to get the Citadel M1911 at this price. So lock in the price. Il a fait la même chose sur le premier candidat. Pas il du a dit tout. J'aime pas, ça n'a rien à mais voir. Je mets un bleu parce que allez, je me suis fait enfumer. Le débat. Il y a ta fille derrière. Fais attention. Le débat est tout le ce soir. Chassez-la. Qui aurait le dernier mot? Mais faites-le taire. Vendu. C'est pas bien ce que tu fais. C'est très mal. Et on sort. Oui, très bien. Moi, ça me va. Sortez. C'est François Hollande, c'est le gouvernement. Ils ont coupé les micros. Non, c'est pas moi. C'est Canal Plus. Non, c'est. Ils nous détestent. Quand je pense que Michel Alliot-Marie disait qu'un meeting c'était pratiquement un orgasme, franchement. Je vais y aller, moi. Non, mais c'est une blague. Je savais même plus que ça existait, les chemises sans manches. Non, mais faut arrêter, stop it. Non, tout ça pour Milan, en fait. Il croit qu'il est pas cramé, mais il est rodave à 10 000 km/h. Le mec, il est au max de la maxence. Je veux pas dévoiler, puisqu'il y a une enquête en cours, mais je connais quelqu'un qui a vu la sextape. Non. Ah, c'est non. Pas vrai. Oui, mais je peux pas incroyable. Dire qui, en plus, vous le connaissez tous, il est super sympa. Et on qui, date... celui qui a vu Hollande. Non, c'est un joueur de foot adorable. Bon, on dira pas qui. Ah, d'accord. On dira pas qui, il a arrêté sa carrière l'année dernière. Enfin, on dira pas qui. Ouais. Et alors? Et il l'a vu et il m'a dit bah, je sais pourquoi il veut pas que ça sorte, c'est parce que c'est à crever de rire, parce qu'il commente tout. Il non, paraît. C'est vrai. Il commente tout. Mais non. Ah, je fais un petit peu mon petit potin là. Et franchement, c'est une exclusivité. Mais hein. Alors, t'as vu là, je te fais copieux, hein, t'aimes bien, tu kiffes. J'espère que Kim va laisser Steph.
Elle est un peu vers Clément et qu'elle va pas de suite mettre des bâtons et des barrières dans les roues à Steph. Les Françaises déclarent avoir eu en moyenne 8 partenaires sexuels différents au cours de leur vie. Ce qui est... Il y a une moyenne. Une moyenne, on va dire. Voilà. Et elles se montrent à leur sujet très critiques. Ah tiens. Seuls 45% estiment que la majorité de ses partenaires les ont vraiment satisfaits. En plus, ils étaient nuls. Et puis, je voudrais dire un petit mot à Élise. Effectivement, la dernière fois, on avait eu 1 million de téléspectateurs. Donc ce soir, on va faire pareil. On va lui laisser le reste. Et puis, je voudrais dire aux fans d'Élise Lucet qui veulent aller la voir parce qu'ils sont complètement fanatiques d'Élise, qui pourront la voir aussi chez nous sur France 5 parce qu'on a une petite image d'archives qui date d'il y a 20 ans sur la maladie de la vache folle. Et je pense que ce sera presque plus sympa à voir que Cache Investigation. Non. Il a eu un seul jour, un seul rouge. Et c'était compliqué pour lui ce soir, puisqu'il passait en première position. Pierre, viens me rejoindre. Hop. Pardon. Il passait pas en première position, Pierre. Je suis désolée, Neritsu. C'est Pierre. Je suis désolée. Ça s'appelle un fécalome, hein. C'est un bouchon de caca au niveau des fesses et c'est pas agréable. Ce que je te propose, c'est y aller manuellement, te l'extraire manuellement. C'est tout simple en fait, il suffit simplement de retirer le bouchon avec un doigt, tu vois. Je peux le faire moi-même si tu te sens pas, mais tu peux le faire toi-même. Si tu te sens, je te passe un gant, on n'a pas de vaseline, donc tu l'humidifies avec ta salive, ton index, et t'essayes de le sortir. Ça marche ? Ouais. Allez, glamour toujours. Alors il faut prendre un peu de hauteur hein, pour se rendre compte de cette architecture spectaculaire. C'est désormais un toit ondulé de verre et d'acier qui recouvre le Forum des Halles. Cette canopée est une véritable prouesse technique. Et visuellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Deux toits de la canopée ? Oui. Eh ben on a chié une merde.